Nang's Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour vous abonner et cliquer sur la cloche de la TV, c'est gratuit en plus. Et ça, c'est extraordinaire. Cette vidéo est une vidéo spéciale pour nous soutenir. Cliquez sur j'aime. Aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 de la vidéo analyse précédente. Les femmes aiment les vêtements sexy ou encore les femmes aiment être sexy, les femmes du monde en question. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous attaquer au style vestimentaire de nos jeunes et jolies sœurs. Aujourd'hui, le monde du diable, encore le diable et ses démons, et en particulier les sirènes, ont décidé d'habiller les femmes de sorte à ne pas plaire à leur Dieu. Les sirènes veulent que les femmes s'habillent de façon sensuelle, de façon tellement séduisante, que leur propre Dieu soit dessus d'elles. C'est pourquoi il va les présenter toutes sortes de choses. Ces sirènes-là, elles vont les présenter toutes sortes de choses pour les attirer, pour les séduire. Et ces choses sont ici. Nous allons vous montrer dans cette vidéo analyse. Là, ça va vraiment être chaud. Est-ce que vous êtes prêts à voir ces choses? Si vous êtes étonné, vous êtes surpris. Si vous n'avez pas cliqué sur j'aime, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche. C'est parti. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez le corps, le frère ça! Wow! Qu'est-ce que c'est? Ici, on voit une femme très belle. Elle est même plus belle que belle. Et regardez ce qui se trouve sur elle. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Ce qui se trouve sur elle, de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit. Ça crée la chose, c'est-à-dire ces choses-là même dont nous sommes en train de vous parler ici. Ce sont des choses qui viennent des sirènes. Ce sont des sirènes qui veulent que les femmes s'habillent de la sorte. De la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? De la parole de Dieu nous dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit pas s'habiller comme la femme. Le pantalon, c'est censé être réservé aux femmes. Les sirènes et les démons, ou encore le diable, ils ont décidé de fabriquer des pantalons de ces pantalons-là pour femmes, afin de les pousser à pécher. Donc le seul fait de porter, le seul fait qu'une femme porte du pantalon, ça la positionne directement dans un état de péché. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et ici, les hauts talons aussi, nous avons découvert que les hauts talons sont censés représenter des sabots, des démons. Bon, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour parler des hauts talons, juste des pantalons et des styles vestimentaires, mais ça prend en compte. Si tu veux porter une chaussure, que ta chaussure soit vraiment plate, évite beaucoup les talons. Bon, nous allons en parler dans la prochaine vidéo, si vous en voulez. Ce qui est sûr, c'est que c'est vêtement que tu es de voir là. Même qu'ils mettent ton ventre en valeur comme ça. Ah, ma soeur, quand tu regardes ça, est-ce que c'est normal? Tu es sûr que c'est normal? Regardez comme elle est jolie même. Elle est plus jolie que jolie. Et elle est sexy. Tu vois une fille comme ça même là. Dès que tu la vois là, tes yeux vont aller vers les parties qui t'attirent chez elle. Tu vas regarder, qu'est-ce que c'est que ça? Wouh! C'est la séduction. Ces temps-ci, c'est la séduction. Le diable veut utiliser les femmes en général pour pouvoir être comme des objets sexuels, des objets de séduction, de sorte que les humains, et en particulier même les hommes, ils aient du mal à résister à la tentation. Ils aient du mal à résister au péché et qu'ils soient plus accros au sexe. Voilà. Vous pensez que c'est blabla, vous allez dire que c'est blabla, qu'on est vraiment chaud, mais regardez, c'est les images devant vous. Si tu as l'habitude de t'habiller ainsi et tu te dis que c'est normal parce que tu vois ta sacrée ainsi, nous te disons aujourd'hui que Dieu lui-même te dit que ces vêtements-là viennent des sirènes. Ce sont les sirènes qui ont infoqué ça, qui ont poussé les gens à crier sur la terre, inspirer les gens. Ce sont des démons. Et ces démons-là veulent que tu désobéisses à Dieu seulement, afin que tu sois condamné à la fin et que tu puisses aller en enfer. Dieu t'a porté des vêtements sexy. Regardez ça. Wow!
Est-ce la même chose? C'est possible. On va dire ça même risque de nous tromper. Et c'est la même chose. Et ce qui est étrange ici, c'est que là, on voit clairement. Waouh, regardez ça, les mêmes nombres sont dehors. Les deux mots veulent que les femmes s'habillent comme ça. C'est exactement ça, regardez bien. Son nombril intérieur avec un vêtement vraiment très joli que je vois, c'est tellement joli, c'est tellement attirant. Quelle femme ici peut résister à ça, à une telle beauté? Dis-moi, le diable ne va pas te présenter quelque chose de laid, nous te convenons en même temps. Les sirènes sont jolies, elles vont te présenter quelque chose de classe. Elle dit c'est la classe, c'est ma classe. Mais ta classe arrive de te conduire dans un endroit capable d'aller. Regarde ça, regardez comment son nombril intérieur. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Même toi, même maman, quand tu restes sur ta fille, elle s'habille comme ça. Ah, quand même tu lui dis, ma fille, s'il te plaît, habille-toi bien. Regardez ça. Même les seins sont d'ailleurs. On a l'impression que le diable veut nous habiller comme des prostituées. C'est ce qu'on appelle même dans la Bible les femmes étrangères. Dieu n'aime pas les femmes étrangères. Les femmes qui ont les choses, les démons sur elles, qui adorent même d'autres dieux, Dieu ne les aime pas. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime tous, mais il y a certaines choses qui nous poussent, qui nous éloignent de la face de Dieu. Regardez ça. Oh, dites-moi maintenant, mes frères et sœurs, est-ce que ce que nous sommes en train de vous raconter ici, là, c'est juste pour vous amener à faire quoi que ce soit? C'est juste pour vous amener à vous ranger, ma sœur, même les chrétiennes, elles portent ça là comme ça, et elles se disent que Dieu ne regarde pas au corps, toi aussi, ma soeur, toi aussi. Tu ne peux pas porter un truc comme ça, et puis tu as dit que Dieu ne regarde pas au corps, il regarde seulement au cœur. Même, ah, toi aussi, va avec ça là devant un patron, tu dis que tu veux du boulot. Est-ce qu'il va t'accepter? Peut-être va te dire, si c'est un pervers, il va te dire, bon, ok, viens, je vais avoir des rapports sexuels avec toi pour avoir du boulot, pour te donner du boulot, puisque c'est ce que tu m'as présenté. C'est vrai, regardez ça. Dieu ne veut plus ça. Et les pantalons rend les femmes plus sexy que sexy. Quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, le diable est en train de travailler et inspirer les gens à rendre les femmes de plus en plus sexy. Parce que le truc qui se trouve derrière là, ça s'ouvre facilement. Et une fois que c'est bien ouvert, vous êtes à l'aise, vous n'aurez plus du mal à enlever vos pantalons. Ça, a priori, c'est comme ça. Et à certaines femmes, elles vont utiliser un truc comme ça. Elles vont dire, ok, c'est parfait. Donc on va ouvrir l'arrière et puis ça va une bonne position pour avoir une bonne position de caméra. Regardez ça. Même sur la plage, les femmes, elles vont sur la plage là-bas. On ne sait même pas ce qui se passe. Sur la plage, aujourd'hui où on va là. Quand on va là-bas, mes frères et sœurs, habillons-nous correctement. Hein. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on s'expose, à l'esprit de nudité comme ça. Elle va aller sur la plage, elle va se poser ses seins comme ça. Regardez, ses seins dans un petit bikini. Dans les bikini, ils appellent ça même bikini. Et il y a des trucs comme ça, les petits foulards l'attachent carrément sur la hanche. Et à un moment donné là, elle-même, elle se met à bouger sa hanche là, comme ça. Celui qui est derrière là, il regarde et dit, hein? Est-ce que tu as vu? Il dit à son ami, est-ce que tu as vu? Lui aussi dit, de quoi tu parles? Il dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Je veux voir. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, ah, t'as pas vu, ok, après c'est. Oui! Vas-y, c'est ce qu'il a vu là. C'est autre chose. Ah, regardez ça encore. C'est la séduction, la sensualité. Le diable veut rendre l'humanité, les femmes sensuelles, comme ceci, comme cela. Rien que pour qu'en le faisant, on désobéisse à Dieu et que Dieu puisse nous rejeter. Parce qu'il va dire que non, tu ne m'appartiens pas, ma chérie. Tu dis que tu es femme de pasteur. Tu dis que tu es ma fille. Tu dis même que tu pries. Mais regarde comment tu t'habilles. Et quand tu t'habilles, et si de la manière tu marchais là, il y a quelqu'un derrière qui regardait même tes mouvements. Il regarde comment tu fais, comment tu bouges. Et lui, il t'imagine dans son lit même, en train de te faire les choses. Comment il va te positionner comme ça? Comment il va te positionner comme ceci? Et c'est exactement ça, ce que le diable veut que tu fasses, mon frère. Si tu vois une femme habillée comme ça, et puis elle est devant toi, mon frère. Si tu veux, si tu peux marcher rapidement, même pour la dépasser, juste pour ne pas pécher, fais-le. Sinon, si tu te mets à penser bizarre de ta tête là, des choses bizarres, puis toi-même, tu commences à être excité tout de suite, même au sens que ton pantalon, ça ne va pas. Hey! Tu as déjà péché, mais tu ne peux pas te fatiguer. Regardez ça encore. Est-ce que c'est pas joli? Répondez-moi, mes frères et sœurs. Mes sœurs, vous êtes jolies. Toutes les femmes sont jolies ici. Mais regardez. Ah! Vous êtes trop jolie.
qu'est-ce qui ne va pas dans cette tenue? Quelqu'un va dire, mais non, c'est bon, cette tenue la couvre tout le corps. Oui, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un va dire également que cette tenue est vraiment jolie. Hein. Je dis, oui, je suis d'accord. Tout ce que vous montrez, c'est joli. Moi-même, ça m'a séduit le premier. De quel état de le monde, j'aimais ça. Bon, aujourd'hui, à cause de Dieu, à cause du ciel, nous devons faire des sacrifices. Quand nous sommes là, tu as dit, ok. Bon, mais quel est le problème ici? Le problème là, c'est que cette tenue là est faite d'une manière que ça puisse plaquer la femme. Et quand ça plaque la femme là, ça dessine ce coup du haut en bas, du bas en haut. Ça fait que quand elle bouge, ne serait-ce que son pied comme ça, sa jambe, vous voyez la courbure que ça fait, ça fait là, là. Ça là, ça dessine ses courbes et c'est sensuel. C'est quelque chose qui peut séduire quelqu'un. Les sirènes ne sont pas bêtes, le diable n'est pas bête. Il n'est pas bête, vous pensez qu'il est bête là. Vous vous faites tromper. Hein. Regardez, et même au niveau de ses seins, on peut voir clairement que là, au niveau de ses seins sont plaqués. Les seins, et c'est un peu, ils ont fait de sorte que ça puisse couvrir uniquement que ses tétons. Et le haut là, le haut, c'est un peu sorti, c'est bombé. Est-ce que vous voyez? Or, tout cet espace qu'ils ont laissé juste en haut là, ça pourrait bien être fermé, juste par un tissu, qu'elle a juste couvert cela. Et un vêtement qui ne sert pas trop, de sorte à ne pas séduire quelqu'un. En fait, le mot sexy signifie séduction. Donc, tous ceux qui fabriquent ce genre de choses là, ils ne tiennent pas compte du fait que Dieu est contraire, il ne veut pas que nous soyons habillés comme ça. Eux, ils travaillent pour le diable. Ils travaillent de sorte que l'humanité soit de plus en plus sexy et même plus sexy que sexy. Le péché va s'accroître, c'est-à-dire qu'il y aura plus de péché rien qu'au travers de ça. Et imaginez ce qui va se passer après. Ah! Et c'est là les amis à cette fois ont dit, oh ma chérie, tu es jolie. Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle n'est pas jolie? Elle est jolie. Regardez, cette fille qui est là, elle est vilaine. Elle est plus belle que belle. Moi, quand je la voyais, je dis, ah, vraiment, ma jolie, t'es jolie, d'ailleurs. Est-ce que tu n'as pas un zéro si tu es mariée? Est-ce que tu es mariée? Si elle me dit, non, elle dit, bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais quand je vais regarder ton vêtement, et c'est habillé comme ça, je me dis, ah, ça me rappelle les femmes étrangères. Leur manière de s'habiller ressemblait fortement à celle des sirènes. Y compris les rouges à lèvres, les produits de maquillage, même ça va jusqu'au parfum, tout ça, c'est plus au compte que Dieu nous a dit. Mais regardez comme ça plaque. Là, vous comprenez clairement que c'est pas des histoires. Vous voyez comme ça plaque, même au niveau de CC, c'est bien bombé. C'est la mode aujourd'hui. Même certaines femmes vont exprès se faire changer les seins, juste pour avoir des seins gonflés comme ça et qu'elles puissent les porter sur ce vêtement-là. Ma soeur, nous allons te dire, faut pas te blaguer. Nous ne sommes pas là pour t'embarrasser. Nous te disons ce qui va te sauver, ma soeur. Il faut accepter. Si tu veux voir, si tu dis que tu es une vraie chrétienne, forcément, tu ne peux pas accepter ça. Toi, mais tu ne peux pas accepter ça. À un moment donné, tu vas grandir, tu vas prendre de l'âge. Est-ce que tu vas continuer à t'habiller ainsi? Ah, mes frères et soeurs, regardez, c'est tellement joli. Et cette femme est jolie. Et ce sont les belles femmes que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour présenter ses produits. Pour présenter ses produits plus beaux que pour moi, quand je la regarde, j'ai dit vraiment cette fille là, elle est très jolie. C'est une femme belle, même plus belle que belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Regarde, elle est même plus belle que belle. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui ne va pas, c'est que la femme veut être sensuelle, elle veut être sexy, elle veut être attirante, elle va attirer même le diable, même elle veut séduire le diable, même le diable la regarde comme ça, dit. Chérie, tu es jolie, t'es. C'est pas 06. Même le gars lui demande son 06. Tellement elle est jolie, ça peut vous faire rire. Mais c'est ça. Est-ce que cette fille à l'école n'est-elle pas jolie? Elle est même plus belle que belle. Ah, ça veut dire que notre Dieu là, qui nous a créés, on va vous dire la vérité. Il nous a bien créés. Nous sommes jolis. Nous sommes faits. La parole de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes plus jolis que jolis. Mais ce qu'on doit pour couvrir le corps là, il faudrait que ça soit à sa gloire aussi. Parce que tout ça, ça a pas de compte.
une femme qui est habillée de façon sexy, c'est pas de séduire quelqu'un. Cette femme qui est habillée ici, elle est encore plus jolie. Ici, qu'est-ce que se passe? Ici, comme on l'a dit, ici, effectivement, ils ont fait un effort pour couvrir carrément tout le corps de la femme. Mais il y a certaines choses qui sortent ici. Qu'est-ce qui sort? Ici, on peut voir qu'au niveau du bas, là, c'était peu. La jupe est un peu courte. Et ça sert encore, ça colle. Elle, quand elle bouge, elle lève la main ici. On sent que ça se tire ici, là. Ça veut dire que cette tenue-là est pratiquement élastique. Hein. C'est-à-dire que ça colle et ça bouge avec elle. Quand elle porte cette tenue, elle sent que cette tenue bouge, est élastique exactement comme un vêtement. Ça bouge, ça fait les choses. Mais ça fait sortir également les fesses et les seins qui attirent la plupart du temps les gens. Hein. Et ça, ça peut être quelque chose qui va séduire quelqu'un. Surtout même, c'est ça. C'est quoi on voit même ici. Même les make-up, la beauté même de la femme ici, même à 100%, ça va séduire quelqu'un. Mais le problème ici, c'est que les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait pour que les femmes deviennent sexy. Donc, elle, quand elle a porté, sans doute, elle se dit que je serai sexy. Est-ce que tu t'es pas dit ça? Dis-moi! Dès que tu te mets dans la tête, que tu t'habilles, je peux être sexy. Et effectivement, c'est ce que tu dois faire. C'est là que la sorcellerie commence. Parce que les gens vont te voir. Il faut passer au sexe, parce que sexy, c'est ce que signifie sexe. Frère de soeur, c'est extraordinaire. Regardez ça. Ici, c'est comme si elle se trouvait dans sa chambre. Les tenues qui étaient réservées aux chambres, c'est ce qu'on prend, on transporte ça dehors. C'est ce qu'on porte, maintenant on sort avec. On sort, regardez, c'est une tenue de chambre. On ne peut pas sortir avec. Ouais, on ne raconte pas des histoires. Voilà, on ne peut pas sortir avec, c'est une tenue de chambre. Tout ça, mais aujourd'hui, le diable veut que ce qui se passe dans la chambre là vienne dehors, que tout le monde puisse voir comme ça, que tout le monde puisse bien regarder et admirer. Mes frères et sœurs, si cette vidéo vous a touché, tout ce que j'aime, moi je suis touché, tout ce que j'ai touché. Ce sont des révélations que nous devons savoir, des choses qui existent, des choses qui sont réelles, qui se trouvent même dans notre monde. Regardez comme elle est belle. Est-ce qu'elle n'est pas plus belle que belle? Elle est même plus belle que le mot belle. Elle est jolie. Ah, si tu dis que tu es jolie, c'est extraordinaire. Nous allons te dire que Jésus t'aime. Viens à Dieu, Dieu va te guider. Dieu va te sauver. Tu peux t'habiller décemment. Est-ce que tu as oublié d'être sexy? Cette histoire de sexy là, le diable est derrière. Et toutes ces images que nous venons de vous présenter, ça dit long sur le sujet. Dites-nous ce que vous en pensez. Ne soyez pas fâché. C'est la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Mais elle est chaude, la femme. Elle est plus chaude. Tu es belle, je te respecte. Et j'aime toutes les femmes. Mais habillez-vous bien. La bonne marche des choses. Regardez ça. Pour le sommeil. Je ne sais pas. Que Dieu bénisse frère ça. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.